Hello tout le monde, bonjour à tous. Je vais attendre un petit peu que certains d'entre vous puissent me rejoindre, si c'est possible pour certains, à cette heure-là. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de Monica Gilliam. J'ai envie de vous parler de la Terre et j'ai envie de vous parler de vous, des intendants de la Terre que vous êtes et que vous n'avez peut-être pas reconnu. Alors je vais commencer à présenter Monica. Monica Mattagilliam, c'est une facilitatrice certifiée qui vit aux États-Unis, qui est le script, je ne sais pas si on dit comme ça, pour Gary et Dane pendant leur classe. Vous savez, c'est elle qui écrit tous les déblayages et qui leur envoie. On voit souvent Gary et Dane regarder leur téléphone pour relire un processus. C'est Monica, généralement, qui leur envoie ça sur leur téléphone. Elle les note et elle leur envoie sur leur téléphone. Et Monica, c'est une facilitatrice qui m'inspire énormément. Elle a une connexion, une communion avec la terre, avec les êtres de la nature qui est incroyable, qui est une véritable invitation pour moi depuis 2 ans déjà. Un an et demi, je crois que ça fait un an et demi que j'ai découvert cette facilitatrice. Et tout de suite, quand j'ai découvert le premier programme qu'elle proposait, je lui ai demandé, ok, est-ce que je peux traduire ton programme? Et c'était la première fois que je traduisais vraiment quelque chose de cette façon-là. Et je l'aurais fait pour très peu d'autres facilitateurs, mais alors pour elle, c'était juste une évidence. J'avais envie de diffuser toute cette énergie-là et tout cet espace qu'elle offre au monde. Et en ce moment, ben je traduis à nouveau quelque chose pour elle, donc avec Laurence. Et Monica nous propose une aventure de 6 mois, avec une rencontre sur Zoom par mois, touchée par les esprits de la Terre. Et c'est juste incroyable. Alors déjà, avant qu'on commence ce programme-là, elle a offert une soirée, la grande révélation. Arrêtez de se cacher. J'ai traduit cette soirée. Elle est disponible en replay si vous l'avez pas encore vue, écoutée, ou si vous l'avez reçue et que vous l'avez pas encore écoutée. Vraiment, je vous invite à découvrir ce call. C'était incroyable. Tout ce que ça a bougé dans mon univers depuis, tout ce que ça m'a permis d'oser être, d'oser exprimer, tout ce que ça révélé, j'ai été mais complètement grillée pendant 2 jours après le call. J'ai pris conscience de à quel point je facilitais le corps des autres avec mon corps et avec mon être, même quand les autres ne me le demandaient pas et même quand ils n'étaient pas prêts à le recevoir et à quel point ça faisait mal à mon corps, à moi. D'où ma question, combien d'entre vous êtes des guérisseurs et ne l'avez pas reconnu? Combien de capacités de guérison est-ce que vous n'avez pas reconnues? Et Gary, j'adore cette image-là, Gary dit, quand on est des guérisseurs et qu'on ne le reconnaît pas, c'est comme si on mettait un bazooka entre les mains d'un bébé. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de chances pour que ça se retourne contre lui. C'est exactement la même chose. Quand on ne reconnaît pas nos capacités de guérison, c'est comme si on avait un bazooka contre nous et qu'on s'envoyait les balles sur nous. C'est peut-être pas des balles en bazooka. Vous m'avez comprise. Combien d'entre vous êtes des guérisseurs et ne l'avez pas reconnu? Est-ce que vous êtes prêts à le reconnaître? Et combien d'entre vous êtes des intendants de la terre et ne l'avez pas reconnu? Qu'est-ce que c'est des intendants de la terre? Les intendants de la terre, c'est des personnes qui contribuent pour la terre et qui ne se servent pas de la terre, qui n'utilisent pas la terre, qui sont prêts à contribuer avec leur énergie à la terre. On ne possède pas la terre, on lui appartient. On n'est pas les propriétaires de quoi que ce soit, d'un terrain ou de quoi que ce soit. On est des gardiens pour cette terre. On est des gardiens pour ces terrains. Et quelle contribution est-ce qu'on peut être?
Et lorsqu'on est des intendants de la Terre, on va aller plutôt dans l'espace de OK, quelle contribution est-ce que je peux être pour la Terre? De quoi la Terre a besoin? De qu'est-ce qu'elle requiert? Qu'est-ce qu'elle désire? Est-ce qu'elle a besoin d'eau? Est-ce qu'elle a besoin de quelque chose d'autre? Et là, on demande à la pluie de venir. Et ça, c'est être un intendant de la Terre. Combien d'entre vous êtes des intendants de la Terre et ne l'avez pas reconnu? Est-ce que vous êtes prêts à le reconnaître? Et est-ce que vous êtes prêts à ouvrir les bras à toutes vos capacités de guérison et de contribution pour la Terre? Monica a partagé un audio, un extrait du premier call de Touché par les êtres de la nature que j'ai traduit et que j'ai partagé sur mon SoundCloud. Si vous ne l'avez pas encore entendu, je vous invite vraiment à découvrir cet audio-là. C'est magnifique. Ça nous invite à reconnaître la source de guérison que nous sommes pour nous-mêmes, pour la Terre et pour les autres. Quelle source de guérison est-ce que vous êtes que vous n'avez pas reconnue? Et est-ce que vous êtes prêt à être la source de guérison pour vous, pour la Terre, et à expanser tout ça à l'infini, et à être l'immense contribution que vous êtes déjà et que vous n'avez pas reconnue? Donc je vous remettrai le lien du SoundCloud parce que vraiment, vraiment, ne serait-ce que ces quelques petites minutes, et il est très court, donc même si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous pouvez regarder ça. Et Monica, donc le premier call a duré une bonne heure et demie. C'est possible de le choisir en replay et vraiment, je vous encourage à le choisir parce que il était mais exponentiel. Tout ce que ça a ouvert, ça aussi, et les témoignages qu'il y a eu dans le groupe aussi après. Et il y a un déblayage en particulier de cette soirée-là que j'ai envie de partager avec vous. Donc Monica nous a invités à déblayer tous les systèmes séquentiels triplement rabattus que vous avez verrouillés dans votre être et dans votre corps qui ne vous permettent pas de recevoir les énergies nourrissantes et de gentillesse. Est-ce que vous voulez bien détruire et décréer tout ça, foi un dieu liard? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all nine shorts, boys and beyonds. Celui-là en particulier a fait un gros waouh dans mon univers et dans l'univers de plusieurs autres personnes. Et quelques retours peut-être qu'on a eu suite au call. Une personne qui nous a partagé que elle était en train d'écouter le replay, elle avait les larmes aux yeux, des larmes de joie et de gratitude, parce qu'à ce moment-là, les esprits de la nature l'accueillaient en tant que guérisseuse, un don qu'elle cachait à elle-même et aux autres depuis bien trop longtemps, et qui lui demande de faire sortir au grand jour depuis tout aussi longtemps. Et elle dit, ils sont là tout autour de moi, joyeux, désireux de m'aider, d'aider les personnes qui viendront vers moi. Quel accueil magnifique. Depuis le début du replay, j'ai la chair de poule, je vois plein de beaux petits êtres et d'autres très grands, heureux et reconnaissants et bienveillants se réjouir de ce que nous faisons. Quelle belle énergie de communion, quelle fête. J'en veux encore plus. Merci Monica. Et ça, c'est un des retours qu'on a eu. Une autre des personnes qui est sur le call a reçu la contribution des êtres de la nature pour une classe corporelle qu'elle était en train de créer. Et j'ai trouvé ça magnifique aussi. Ils lui ont inspiré des énergies, ils lui ont inspiré des déblayages, ils lui ont inspiré des contributions pour sa classe corps qu'elle proposait quelques temps après. Et pour moi, c'est au-delà des mots, en fait, c'est au-delà des mots, c'est tellement joyeux, c'est comme une grande fête. J'ai l'impression d'être à nouveau à la maison avec toutes ces énergies qui sont tellement joyeuses et tellement prêtes à contribuer pour nous et avec nous et à créer une terre tellement plus joyeuse avec nous. Et c'est un vrai cadeau pour moi, pour mon corps, pour ma vie et pour tous les domaines de ma vie. Il y a tout qui s'expanse depuis que j'ai choisi de traduire ces calls. Donc j'avais vraiment envie de vous inviter à vous joindre à la fête avec nous. Est-ce que vous êtes prêts à venir célébrer la vie, à venir célébrer vos corps, à venir célébrer vos capacités avec tout un groupe de joyeux barrés, avec tout un groupe de joyeux êtres de la nature?
Et est-ce que vous êtes prêt à reconnaître les intendants de la terre, les guérisseurs que vous êtes, et à montrer au grand jour, à révéler ces capacités-là à vous-même et aux autres? Et qu'est-ce qu'on peut créer tous ensemble? Qu'est-ce qu'on peut inviter de différent tous ensemble? Donc voilà, si vous avez envie de nous rejoindre, c'est ce soir à 21h qu'on fait le deuxième call des 6 mois. C'est possible de choisir un mois, de choisir 2 mois, de choisir 6 mois. Tout est possible. Les prix sont dégressifs. Enfin voilà, elle a vraiment proposé plusieurs offres. C'est très très abordable. Et waouh, tout ce que ça ouvre. Et peu importe, bien sûr, que vous le choisissiez ou non, est-ce que vous êtes prêt à reconnaître les intendants de la terre que vous êtes, à y reconnaître les guérisseurs que vous êtes, à reconnaître l'immense contribution que vous êtes pour la terre, et à recevoir de la terre, à recevoir des êtres de la nature, et à contribuer pour eux et avec eux. Je vous souhaite une merveilleuse journée, après-midi, soirée, et à très bientôt.